Michel Polynester. Pauline Esther, mesdames, messieurs, alors pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Pauline Esther, c'est ça! Donc il y a un best-of qui sort de Pauline Esther avec un certain nombre de titres inédits, dont celui-ci. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte surtout. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte et c'est tout. Vous le connaissez déjà? Moi qui suis sans emploi depuis bientôt 4 ans. Il y a de l'amour partout. C'est un inédit sur le best-of, mesdames, messieurs. Voilà. Pauline Esther en concert au Café de la Danse à Paris, 12, 13, 14 juin. Alors, pour ce disque, Pauline, vous avez retrouvé Frédéric Loiseau. Ouais. Frédéric Loiseau. Frédéric Loiseau, c'est votre compagnon de l'époque. C'est lui qui avait composé vos premiers tubes. Ouais. Fredo. Fredo, c'est ça. Fredo. Ouais. Vous l'aviez rencontré en 1983, l'année du bac à Toulouse. Exact. Rue Saint-Michel. Non, c'est des choses, hein. Rue Saint-Michel. Rue Saint-Michel. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Vous étiez invité pour un bœuf. Non, mais c'est ça. Mais comment vous pouvez? Bah oui. Et là, c'est l'époque. Hey, faut fumer un peu des pétards. C'est pas vrai. Mais c'est vrai. Non, mais comment il peut savoir tout ça? C'est vrai. Même ma mère le sait pas. Vous arrivez chez des amis, il est là, vous le voyez. Il fait ses gammes sur un petit tabouret, Fredo. Et là, il lève les yeux vers vous. Et je tombe amoureuse. Bah ouais, c'est le coup de foudre, voilà, instantanément. Il a tout raconté. Voilà. Ah non, ça c'est impossible. Et à partir de là, il ne sort plus de votre tête, ce Frédéric, ce Fredo. Ouais. Voilà l'histoire, quoi. C'est pour le revoir et pas le décevoir que vous êtes montée sur scène, en fait. C'est exact. Ouais. Pour ça que vous êtes mise à chanter, non? Oui. Je chantais dans ma salle de bain, chantais chez moi et tout, mais j'aurais pas osé monter sur scène. Voilà. Il a fallu quand même beaucoup d'acharnement pour arriver à vos fins amoureuses, hein, avec lui. Ça, c'est pas possible, ça. Ah, alors là, non, mais savoir ça, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est exact. Ça n'a pas été évident. Non. Au départ. J'avais de l'acné juvénile, j'avais des boutons partout, ils me regardaient pas. Voilà. Eh oui. Ça s'est arrangé depuis. Hein. Je crois que je vais pleurer. Ça s'est arrangé. L'acné? Oui. Avec lui, non. Alors voilà, donc vous montez sur scène pour faire plaisir à Frédéric Loiseau au départ. Pour être près de lui surtout. Voilà, c'est ça. Pour rester proche. Et puis alors vous avez au départ un répertoire constitué de reprises, hein. Et puis ensuite vous avez votre fameux répertoire cabaret, la Ville Commune, Ouais. avec le chapeau. Oh. C'est vrai.
Mais comment ça c'est possible? Avec le chapeau. Ouais, le chapeau. Il connaît des détails. Des grandes boucles d'oreilles aussi. Ouais. Il a vu des photos. Non. C'est vrai, non, c'est ça. C'est bien que c'est vrai. Non, c'est moi qui ai tout dit. Alors, vous commencez à écrire des textes à ce moment-là. Lui, il vous fait écouter ses chansons. Et puis, un jour, voilà, c'est miraculeux, son histoire. Il y a une cassette qui atterrit dans une maison de disques à Paris, chez Polydor, hein, ouais. Sur le bureau de Jean-Pierre Hay. Et là, vous prenez la route avec la 4L. Ouais. Toulouse-Paris, c'est qu'à l'époque, Toulouse-Paris en 4L. Hein. Il y avait beaucoup de tournois. Même toujours maintenant, hein, en 4L, ouais. C'est difficile. Ouais, hein. Toulouse-Paris en 4L, c'est encore plus difficile qu'avant. Il y a plus de 4L, c'est pour ça. C'est ce jour-là, sur le chemin de Paris, que vous trouvez votre pseudo, ouais. Parce que vous appeliez Sabrina. Mm-hmm. Et Sabrina, il y avait déjà une dans le top 50. Avec hein, des gros seins, ouais, ouais, ouais. Chantait Boys, ouais, Boys, ouais, Boys, ouais, ouais, dans une voilà. Piscine. Oui, c'est vrai. Ouais. Mm-hmm. Alors là, vous cherchez les noms, vous dites comment je vais m'appeler. Bon. Lulu Berlu, Savannah, vous cherchez, vous savez pas bien. Mmh. Et puis vous voyez un camion avec marqué polyester, SA. Et là vous dites polyester, polynester. Ouais. Ouais. Coup de génie. Coup de génie. Ouais. Ça peut arriver parfois. Et en juin 89, il y a Il fait chaud qui sort, ça marche bien. Hein. Oui, sur les radios, parce que l'été 89 était un des étés les plus chauds ouais. Qu'on avait eu depuis 1953. Ouais. Et le deuxième 45 tours, ben, c'est ça. C'est marrant parce qu'en fait, vous faites écouter plein de chansons à Jean-Pierre Hay, oui. Et vous ne lui faites pas écouter celle-là. Non. Il n'aime pas les chansons que vous lui faites écouter. Mm. Et au bout d'un moment, vous dites, on a aussi ça. Mm. Et ça, il dit, évidemment, ça va être un tube, il avait raison. Mm. Et là, alors, vous faites un album avec Fredo, un petit peu comme on fait un enfant, quoi. Vous y mettez tous les deux. Oui. Hein. Et le problème, c'est que Le Monde est fou, une bonne chanson aussi, sort pendant la guerre du Golfe. Ouais. Avec un super clip de Yann Kounen. Bah ouais. Une super promo. Ben oui. Et puis une belle censure, une super censure. Une belle censure parce que c'est vrai qu'elle chantait Le Monde est fou et pendant la guerre du Golfe, il y avait des armes françaises qui étaient utilisées par les Irakiens contre les Occidentaux. Donc c'est vrai que c'était vrai que Le Monde était fou. Oui, et là, Le Monde est foot cette fois. Voilà. Alors, une, chanson, une nouvelle chanson ? Ouais, Le Monde est foot, foot, foot. Alors heureusement, il y a une fenêtre ouverte qui marche. Ouais. Et c'est une chanson, en fait, que vous aviez faite, qui vous rappelait l'appartement que vous aviez à Toulouse. Ouais. Avec Fredo, ouais. Avec les chats. Ouais. Ouais. C'est pas possible. C'est terrible. Non, mais, moi, je veux connaître vos sources. Hein. Ah bah. En tous les cas, bon, on n'en est plus à l'histoire de l'appartement avec les chats. Là. Avec Frédéric, ça a commencé à aller mal à ce moment-là, quoi. Mm-hmm. Ça se passe pas très bien. C'est vrai. Mais bientôt, c'est la séparation. Il dit ça avec un regard, il jubile. Non, mais c'est la séparation, mais maintenant il y a prescription. Qu'est-ce que oh, bah, c'est sûr. On va pas pleurer aujourd'hui, il y a combien de temps cette histoire-là? Pas mal d'années, ouais. La séparation. Il a refait sa vie, il est marié. Il a refait sa vie. Ouais, oh là là. Ouais. Ah, c'est triste ça. Avec une femme formidable, ah, que bon j'aime beaucoup. Vous êtes gentil de ouais. Dire ça. Ah bon? On s'entend très très bien. Mais c'est bien de dire ça, oui, vous êtes ouais. Forte. Vous la détestez, ouais, en fait. Bien sûr. Non, mais là, elle est bien parce qu'elle dit, bon, mais voilà, c'est une femme formidable. Et puis, j'aime bien ça. Vous avez beaucoup de grandeur d'âme. Voilà, qu'en fait, vous faites un deuxième album avec Frédéric. Mais là, c'est un album qui se fait en pleine séparation, en plein déchirement, en pleine tristesse. Donc, évidemment, il n'y a plus cette espèce de joie de vivre qu'il y avait dans le premier. Il n'y a plus la magie. Voilà, il n'y a plus la magie. Porté à Paris. Parce qu'à l'époque, vous viviez dans une ferme près de Toulouse avec lui. Partez à Paris. Ça me fait rire parce qu'il dit des trucs, c'est pas possible. Et là, alors là, c'est terrible. C'est encore plus extraordinaire. Vous atterrissez, je sais pas pourquoi, chez Yannick Noah. Attention, les secousses. Il est resté un an chez Yannick Noah. Ouais. Il porte des slips sloggy dans la vie. Pas à l'époque. Ah, pas à l'époque. C'était avant. Ah oui, c'était avant. Mmh. Voilà, donc Noah, puis là, bon, voilà, vous essayez d'aller à la recherche de vous-même, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, vous avez eu succès un peu, pas pour faire plaisir à Frédéric, mais enfin pour être plus proche de lui, ouais. Et là, vous vous retrouvez sans lui. Donc vous êtes obligé de faire votre chemin intérieur, ouais. Et finalement, vous faites un silence intérieur, voilà, intérieur, en attendant de redevenir chanteuse. Mm. Voilà. Il y a de l'amour partout, ce qui compte, il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte, Pauline Esther, le best-of. Avec trois inédits. Il y a de l'amour partout.